this one in them songs. To make them feel good. On va où? Pourquoi? On va dire c'est. C'est la première fois depuis qu'elle est née qu'on s'en a poussé. Mais la raison pour laquelle je suis sortie de chez. Le couple de Fermi. Arthur, il est un peu en panique. Arthur? Je déteste au début là, j'ai l'impression du début, j'ai un peu peur. Parce que Arthur a le vertige en fait dans la vie tous les jours. Mais bon, il faut qu'il travaille dessus parce qu'il veut faire pompier donc. C'est horrible. Allez, apparemment la vieille, j'y vais. Ok. Léane, t'en as fait plein de fois, allez. Allez Léane, go. Tu paniques? Mais... Non mais regardez comment c'est pas haut. À bientôt. Started with a vision, I hope they all see that money buys things, but love is all free. Clara est en panique parce que l'écart est grand. Avec une petite jambe. Vas-y Clara, passe pour voir. Allez, vas-y, lance-toi. Oh putain, j'ai oublié de me baisser parce qu'il y a un rondeur là. Il m'emmerde. Même Léane, elle est passée avec ses petites jambes, donc vas-y. Okay, Clara est en panique, elle va s'enfoncer sur du snowboard. Comment je tourne? Attends. Ah, oui. Ah, ça part. Oui, non, attends, j'avais trop peur de la. Prends ton temps. Au pire, attends, tu peux même le retenir pour que je me pose. Ah, allez, vas-y. Qui m'a donné le vertige en même temps? Franchement, c'est le truc le plus effrayant mais le plus simple que j'ai jamais vu de ma vie. Oui, voilà. Petite pause de boire et manger pour les loups. Ça paralyse à la piste rose. Coucou! La petite tyrolienne de la piste rose. Ah, écroulement. Qu'est-ce qu'elle fait? Là, c'est fini, elle a pas de force. Et regarde comment elle est tonique. Hop là! Arthur, il est en panique. Voilà, là on prend des glaces. On s'embrouille avec Arthur parce que je faisais que bouger ses cordes. Alors qu'il a le vertige, du coup. Il était un peu aigri. Mon bébé, coucou. Elle a failli. Là, on vient de voir que Lise, on voyait sa première dent qui allait bientôt pousser. Oh, c'est très mal expliqué. On a remarqué qu'il y avait une dent qui commençait à pousser. Là, on vient de remarquer que Lise avait une première dent qui venait de commencer à... Oh mon dieu. Le jour que Lise passe sa vie à chialer, Clara a suspecté la poussée d'une dent. Et effectivement, on regarde et... Voilà. On va voir qu'on a... Qu'est-ce qu'on perd un peu. Mais en bas... Attends. Faut qu'elle enlève sa grosse main, là, toute bavée. Attends. Ah, hé. Attends, moi, je vais tenir sa main, vas-y. C'est un peu blanc, attends. Bon. Bon, ouais, on va pas l'énerver non plus, hein, pour une fois qu'elle pleure pas trop. On a dit qu'il y avait des journées pour et des journées sans. Hier, aujourd'hui, c'était des journées sans. On est fatigué, on n'en peut plus, on a envie de la rendre. Mais bon, c'est on fait avec, hein, heureusement qu'elle est mignonne. Voilà la terreur. Oui, mais fais la fatiguée, oui. Je pense que t'es pas la plus fatiguée d'entre nous, hein. Mais elle fait vachement la souriante, je trouve. J'avoue. Alors qu'en vrai, depuis elle est filmée, elle fait un peu genre là. Ouais, c'est ça, ouais, fais la mignonne, va. Oui, fais la mignonne. Petit démon, va. Oui, 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 c'est ça, ouais. Ah, elle a remarqué la caméra. Pourquoi elle change d'air comme ça? Bon, j'ai mis l'objectif grand angle. J'espère que c'est mieux. Normalement, c'est écrit.
C'est la première fois que je teste. Bon, du coup, on goûte, heureusement, parce que c'est le seul truc qui rythme nos journées. Parce qu'en ce moment, c'est très très long. Je vous avoue, on n'est pas dans la période la plus sympatoche avec Lise. Donc, mes sœurs font des petites crêpes. Je fais un pancake, ok. Ok, ok. Pancake à la banane. Ça, ça va à la poubelle. Voilà. Tu voudras goûter, Arthur ? Ça aussi, ça va à la poubelle avec la banane. Elle a l'air mignonne. Ouais. Notre technique avec Arthur pour alterner celui qui est fatigué ou pas, c'est que le matin, quand elle se réveille, en ce moment, c'est 8h30. Ben, on alterne, une fois c'est moi qui me lève, une fois c'est lui. Il l'a fait deux fois. Oui, ben, on alterne maintenant. Il le fait depuis le début. Oui, il le fait depuis le début, mais en même temps c'est moi qui allaite. Donc des fois, souvent, c'est lui qui se lève parce que ben, moi j'allaite la nuit donc je suis plus fatiguée. Et moi je me réveille la nuit aussi. Non mais il se réveille pour pisser, c'est tout. Et là, il y a eu deux jours où je l'ai laissé dormir jusqu'à 10h30. Et ça fait du bien d'avoir 1h30 de sommeil en plus. Donc ce n'est pas négligeable. Petite session crêpe. Non, t'en as deux. Un petit peu de confiture à la crêpe. Surveille. Pourquoi elles sont si fines? Tu vas pas mais nous... Mais parce que... Ah, faut les faire plus épaisses. Lisa, mange les crêpes avec nous. Tu manges les crêpes avec nous. Bon, là, on est la veille du départ. J'avais commencé à faire le sac de Lise. J'ai pris l'ancien sac militaire de mon père. Il est énorme, il y a la place pour tout, il y a des jouets. Bon, j'ai mis nos serviettes de plage parce qu'il y a plus de place. Et en dessous, il y a tous les vêtements, il y a des biberons si je tiens mon lait. Elle arrête. Du coup la Lise elle est en habit 3 mois mais j'ai pris beaucoup de 6 mois parce qu'elle va passer aux 6 mois je pense cet été pendant qu'on sera chez mes grands-parents parce que du coup demain on part en Vendée, on a 4 heures de route et on part chez mes grands-parents pour un mois et demi. Arthur il va travailler à la boucherie et moi je resterai à la maison voir mes copines, je vais être femme au foyer quoi en gros. J'espère que t'as eu ces gros yeux. Normalement oui. Voilà. Parfait. Bon, j'en suis jamais calculé. Là, j'ai utilisé le nouveau port B pour voir les chevaux qui sont juste là-bas. On a fait le petit bain. Bon, là on fait les derniers préparatifs. On essaye de l'endormir pour être tranquille un peu. On va partir à 13h chez lui. Et après le lendemain, on part. On dit au revoir à ma maman qu'on ne revoit pas pendant un mois et demi. Au revoir. Bon, ma soeur, pendant 10 jours, on s'en fout. Au revoir. Genre, tu souris, ouais, t'es juste énervée. Arthur, il est énervé. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon, on est parti il y a 10 secondes. On est vraiment en haut de chez moi. Mais Arthur fait pipi. Et moi, on est pour toi. Pour Léna. Là, on a déposé la voiture. Là, on a déposé la voiture d'Arthur. Pour faire quoi? Pour faire une vérification du boîtier. Avant de partir. Avant de partir. Et du coup, bah, on laisse la voiture. Donc, on a une heure et demie. Du coup, on va faire les soldes. On n'achète pas souvent du neuf, mais bon. Arthur, il a besoin de vêtements pour cet été. Et j'ai la flemme de chercher sur Vinted. Donc, enfin, c'est pas pour moi. Et lui, il veut pas le faire. On lui fait tester les matelas. Ouais, la texture, c'est comment? Ouais, non, il glisse un peu trop pour elle. On va essayer un autre. Elle a... Vas-y, pédale. Bon, et ben on a absolument rien trouvé, rien acheté, rien de rien du tout, parce que c'était soit trop moche, soit trop cher. Donc, ouais, voilà, ou les deux. Donc, du coup, bah, on retourne chercher la voiture, elle est finie. On a un peu l'impression d'être venu pour rien. Oh non. Bah. Oh mon dieu.
Voilà la tête de Lise le matin. On dirait Clara qui se réveille. Oh mon dieu. On dirait ma tête du matin. Et encore là ça va, elle est un peu réveillée. Hein, parce que je l'ai mise devant le miroir genre en 2 minutes. Mais sinon... Oh mon dieu. Elle est perchée. Coucou. Regardez Arthur faire sa valise. Il prend 5 t-shirts blancs. Je ne prends pas tout, je plie. Tiens, mais bien fait, voilà. Ça, ça t'apprendra. J'ai pris le mur. Ça t'apprendra. Sinon, cette nuit a été miraculeuse. Ça faisait, je sais pas, ça faisait un... Non, pas un mois, mais ça faisait 3 semaines, je pense, que Lise n'avait pas dormi autant de temps consécutif, genre. Là, elle a dormi de 22h30 à 5h. Et de 5h14 à presque 9h. Donc c'est la première fois depuis 3 semaines qu'elle nous fait ça. On est plutôt contents. Enfin moi en tout cas, parce qu'Arthur ne se réveille pas la nuit. Si, des fois oui. Pour aller faire pipi. Bref, on espère que ça va continuer comme ça. Parce que les réveils tous les 2 heures, moi j'en peux plus. Voilà, on va se le dire honnêtement. Mais j'espère que ça va continuer. Parce que là c'était bien bien cool. Puis surtout si elle dort comme ça, on va pouvoir sortir. Bon, on est parti. Il est 10h16. Ça annonce 6 heures de route parce qu'on prend pas l'autoroute. Lise pleure déjà, donc ça s'annonce être un voyage corsé. Bon, bah, étonnamment, elle a quand même dormi 1h30. Donc là, elle vient de se réveiller, on est plutôt content. Il est midi, donc je sais pas quand est-ce qu'on va manger. À Bordeaux, je pense. Hein. À Bordeaux. Elle hurlait à la mort, donc on s'est arrêté. On fait une petite pause. Voilà, au revoir nous sur la route. Bon, elle est réveillée. Elle avait pleuré pendant 1 heure. Après, elle s'est endormie. Elle s'est endormie quoi, 30 minutes. Ouais, elle vient de se réveiller, du coup, on va aller manger. C'était pas facile pour Arthur quand elle pleurait pendant 1 heure là, parce qu'on pouvait pas la calmer. Bon. On s'est arrêté manger, de base on avait dit vas-y on mange McDo. Puis comme on est des êtres responsables, on a dit non vas-y on fait un petit pique-nique et tout. Du coup on est en mode ghetto. Dans le parc. Dans un petit parc de Cavignac. Cavignac. Ouais, par contre il est trop bien leur parc. Ouais, vraiment. Il est gigantesque. Derrière il y a un city là-bas. Il y a personne, donc on est peinard. Elisa a arrêté de pleurer. Bon, on est reparti à 15h quasiment. Il nous reste combien de temps ? 3 heures. 3 heures. Bon. Au moins 1 heure. Au moins 1 heure. Elle a dormi 30 minutes, sauf qu'on s'est arrêté pour faire le plein comme l'essence était beaucoup moins chère. Du coup, elle s'est réveillée, elle a pleuré, et là, bah, on espère qu'elle va s'endormir. Il y avait 10 000 autres solutions et elle a voulu faire la meuf. Non, ouais, je suis sûr que j'ai vu pire. Mais j'ai voyagé comme ça pendant 6 heures. Arrête, non, mais alors là, je vais peut-être aller te plaindre. On sait qu'on est en train d'arriver parce que la Vendée, enfin en tout cas la Tranche-sur-Mer, ça a une particularité au niveau des bâtiments. C'est tout le temps les mêmes maisons, genre toutes les maisons se ressemblent. Voilà ce genre de maison avec. C'est toutes les mêmes, genre décrépites très blancs avec des tuiles orange partout, ça fait très maison de vacances. Et dès qu'on arrive là dans cette allée, on sait que c'est la fin. On est arrivé, l'ère de la Vendée. Oh mon dieu.
Ici, il y a beaucoup de vent, toujours en Vendée. Et on adore, c'est trop bien fait. Oh, elle a transpiré, mon dieu, regardez-moi ce truc. On arrière de crème. La peau. En même temps, elle a tellement pleuré. Mais même avant. Bref, mais en vrai, on s'attendait à bien pire. Vraiment, on s'attendait à un voyage beaucoup plus tumultueux, avec beaucoup plus d'arrêts. Au final, on a fait que deux pauses. Et franchement, ouais. Pour manger qui était prévu. Et moi, je pensais qu'on allait faire genre... On avait 3 heures, je pensais qu'on allait s'arrêter toutes les heures. Pas du tout. Non, on n'a pas 3 heures, on avait 6 heures. Non, mais 3 heures avant de s'arrêter, entre, faire entre la pause. Quoi. Ouais, ouais. Entre la pause, qu'est-ce que je raconte. Ouais, bref. On a fait 3 heures. Je pensais qu'on allait faire 7 pauses. Non. Moi, une pause toutes les heures, 3, je pensais. 4, 5, hein. 5 pauses en fait. Ouais, voilà. Et au final, non. Donc, on est plutôt contents. Et maintenant, on doit tout décharger. Il y a des invités en plus. Je pense qu'on va amener Lise d'abord et après, on va décharger. Oui, il y a des invités qui sont là. Ouais, ça va les occuper. Je te jure. Il y a des invités qui sont là chez mes grands-parents parce que c'est l'hôtel chez mes grands-parents, ils invitent tout le temps 20 millions de personnes. Et du coup, ils ont retardé leur départ chez eux pour voir Lise. Donc on est attendu, je peux vous dire. On sonne. Bon, là on s'est à moitié installé dans notre chambre de d'habitude, hein, ça fait 3 ans qu'on vient. Hop, coucou. Mais il veut absolument aller se baigner. On a plein de sacs, c'est fou. Je sais pas combien de temps on va mettre à tout s'installer là. Mamie elle a un lit parapluie. Bon, on va le mettre sûrement dans notre chambre. Et voilà, elle va acheter des alaises, des trucs, des machins. Voilà, la salle de bain trop belle. Et moi il faut que j'aille étendre des couches qui n'étaient pas sèches. Mais t'as fini, oui. Bon allez, c'est parti, mon kiki. Allez, ça va ? Ça va. Ok. Il y avait une petite caméra, je peux pas me dire que tu vas prendre ton téléphone à tout bout. Ah bon ? Oui. On est debout. Oh my god, ma tête. Non, mais ça va pas mettre en bleu. De m'examiner. J'espère. Coucou. Oui. Ça a bien l'air de faire rire. Oh, tout ça ? Tout ça ? On va déjeuner. Oh, elle est grande, Lise. Oh. Vraiment pour les caméras. Elle est grande. Bon, là, j'ai endormi Lise. On fait une formation sur le sommeil pour favoriser l'endormissement autonome. Du coup, on essaie de faire dormir Lise toute seule, parce qu'elle s'endormait toujours au sein en tétant. Du coup, c'était un peu la solution de facilité. J'avais juste à la poser et à dormir. Sauf que ça, après, c'est pas possible, parce qu'elle pourra pas toujours dormir quand je suis là. Et du coup, là, on l'a endormi. Et ça y est, madame fait dodo depuis 10h30, donc depuis 30 minutes. Moi, je me suis coiffée et tout, j'ai fait une petite tresse. Bon, nous sommes rentrés. J'ai fait un test de grossesse parce que j'avais un retard de règles. J'avais très peur. Mais c'est bon, c'est négatif. Hein. On va la remettre à dormir parce qu'elle n'a pas assez dormi cet après-midi. Elle a dormi que 45 minutes, ça ne va pas du tout. Et nous, on sait pas ce qu'on va faire. Là, c'est un peu Mister et Bout de Gomme. Ouais. Bon, on est parti se balader. Comme des gros darons. J'ai habillé Lise en mode exploratrice. C'est son premier habit de 6 mois. Une petite combinaison en 6 mois. Elle grandit, madame. Oh oui, tout ça. Arthur était énervé parce qu'il n'arrive pas à mettre la poussette. Vas-y, justifie-toi. Bon, je suis pas énervé parce que j'arrive pas à mettre la poussette. Je suis énervé parce que tu me demandes des trucs inutiles. Bref, regardez-moi ce beau paysage de Vendée. Là, je fais la cueillette merde des fraises. Parce que chez mes grands-parents, il y a un grand jardin et il y a plein de fraises. Bon, il faut trouver celles qui sont mûres et celles qui sont pas mûres. What is he doing? Qu'est-ce que tu fais? T'as aucune dégaine comme ça. Bon, Lise s'est réveillée, je vous montre pas la tête parce que j'ai la tête du matin, je suis très moche.
Elle a trop bien dormi, vraiment. Elle a fait genre 21h30, 5h. Et elle s'est endormie à genre 5h45 jusqu'à 9h. Donc on peut pas se plaindre. Du coup, là, je l'ai habillée en petite outfit rose. Très, très mignon. Elle a passé à ma mamie. Comme ça, moi, je pourrais faire la machine à laver, me préparer, etc. Là, je filme pour mon vlog. On oui. Elle a à chaque fois, si elle sourit pas, Lily, elle paraît aigrie sur les vidéos, c'est drôle. Attends, ça peut pas. Coucou bébé Lise. Ah non, c'est chaud. Tchac. Elle. Gros nion là. Coucou les vlogs. Coucou les vlogs. Les abonnés. Coucou les petits choux à la crème. La réalité de la vie, le papa ne fout rien. La maman fait tout. Laisse-moi faire. Elle est trop bien la caméra. Mais ouais. Ça allait quoi, coup follower. Venez manger des crêpes à la rustique, à la crêperie la tranche. Un chez Ambre, un chez... Coucou mes petits crumbles. Lisanne était crevée. Elle s'endormait dans le bras, donc du coup on l'a mise à dormir dans la chambre de Maïva. Sur le lit, voilà. On va à la pistoche. Qu'est-ce qu'il fait? Moi. On aurait dit un enfant de 5 ans qui va vraiment qu'on le regarde faire un truc. Mon dieu. Bon, moi je vais à la pistoche aussi.